quelle était ta réaction d'abord quand tu as pris un but pour défier le Stade Toulousain? On allait compter sur toi. Comment ça s'est passé? Mais déjà, j'étais très content, très heureux. Et puis directement, je me suis préparé à être concentré, très investi à l'entraînement, à m'approprier le plan de jeu. Et donc là, j'ai hâte d'y être. On est avec 4 heures du match. Comment tu te sens? La pression, on y pense beaucoup ou pas du tout? Tu as l'air plutôt zen. Mais là, pour l'instant, je suis plutôt. Enfin, je reste calme, mais je sens que ça va monter petit à petit, quoi. Et pour l'instant, ça va plutôt bien. Jouer contre le Stade Toulousain, c'est toujours quelque chose de particulier, même en espoir, il y avait toujours un petit truc en plus. Oui, mais depuis toujours. Mais c'est une très grosse équipe, c'est un très gros centre de formation, donc déjà en espoir c'était quelque chose, mais là de jouer en pro, c'est un niveau dessus, donc il va falloir être très concentré et il va falloir se mettre au niveau des autres. Sur quels aspects de ton jeu justement tu vas vouloir te concentrer? Mais il prévoit des conditions climatiques assez compliquées avec de la pluie et du vent, donc il va falloir. Il va falloir que je sois propre techniquement sur le jeu au pied, sur l'occupation, la gestion des temps forts et des temps faibles. Tu étais rentré au Racing, je crois, c'était ta seule expérience de compétence. Oui. Qu'est-ce que tu en retiens de ce match? Mais déjà, c'est quoi la grosse différence avec ce que tu as fait du match? La vitesse de jeu, les impacts du coup, forcément. Et voilà, c'est surtout ça. Après, j'avais pas trop eu de ballon à négocier, donc. T'arrives avec une bonne réputation, enfin avec un bon jeu qui est notamment un bon rôle de buteur, tu veux t'inscrire dans cette continuité-là chez les pros? Après je sais pas qui prendra le jeu au pied demain, mais j'espère que si c'est moi ça se passera bien. Donc après. Ça, vous n'avez pas encore décidé qui c'est qui va buter En général c'est à l'échauffement. C'est genre après 2-3 buts d'essai? Oui, on y a un retour et en fonction des sensations, désigne qui prendra le jeu au pied. Les anciens sont un peu encadrés, Raphaël, Mathieu, quelques petits conseils cette semaine? Oui, pas mal. Depuis que je suis monté avec les pros, il y a pas mal de mecs qui m'aident. Il y a Jean Marcelin, il y a Raphaël, il y a Mathieu, et puis même autour, les centres. Donc sur ça, c'est plutôt cool. Ajane, c'est de développer un jeu de mouvement, mais tu l'as dit, demain, on annonce des conditions climatiques compliquées. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Vous avez quand même essayé de jouer au ballon ou Mais comme je l'ai dit, ça va être une partie stratégique, je pense, demain. S'il y a des coups à jouer, on les jouera. S'il y a des opportunités, on les prendra. Mais ce sera surtout de la gestion et un match tactique. La Ligue qui a préconisé de ne pas célébrer les essais. Si tu marques, tu vas pas célébrer, tu vas pas. Tu vas réussir à te contenir? Non, je sais pas si ça arrivera, mais je suis pas du genre à célébrer.